qui, c'est moi. Et entre un père qui me couvre trop, trop grand, une mère un peu déjantée. Si je le coupe au milieu, ça m'en ferait deux. Et un frère s'élève. C'est pas facile de trouver sa place. Parfois, je me dis que t'as de la chance d'être personne. Tu vas voir si je suis personne. Pourquoi tu vas pas voir Jean-Marie? Il dit pour être propre. C'était un stage. J'ai rien à vous proposer. Ou un stage. J'ai l'impression d'avoir pris perpète. Tu sors de prison, toi, ou quoi? Bah, ça y est, elle avait une loupe. Quoi? J'accouche le premier soir. Certains trouvent ça bizarre. Tu m'étonnes qu'ils trouvent ça bizarre. Moi, je trouve ça carrément choquant. Mon corps vit, mon âme se lasse, alors les mâles passent dans mon lit. Ils s'entassent. Donc là, c'est quoi? C'est une partouze? C'est une fille qui se libère. C'est pas vulgaire, c'est mignon. Ah non. Ah non, c'est pas mignon, non. Ah non, du tout, non. Bah, ça te fait rire, toi? Elle s'amuse. Qu'est-ce que tu sens? Elle sent le sexe. Ah, c'est ça, je me disais, je connais cette odeur, mais j'avais oublié. Vous êtes en train de salir la famille, là. Alors vas-y, chante! Où les poils à voiler, burqa, grillage, tout ça. On est pour qui, vous? Pour personne, espèce de connard! Moi, je suis très fière d'elle. T'as vu comme il a voulu me pécho, le Bernard? C'est pas des yeux qu'il avait, c'est une vraie guêpe. Avec sa petite boîte à outils, il m'aurait démonté pièce par pièce. C'est vrai que, en fait, je me couche le premier soir. Toi, c'est vrai que t'as assez contre le pain. Toi, t'as encore bu, hein? Oui, mais j'étais avec maman. Oui, t'es avec moi?